Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un tuto sur Call of Duty World War 2 sur le nouveau DLC The Darkest Shore. Donc le tuto consiste à vous montrer comment débloquer le pack-a-punch. Donc le pack-a-punch se trouve tout en haut de la map, hein, près des bunkers, juste ici. Donc il va falloir récupérer 3 pièces pour activer le pack-a-punch qui se trouve juste derrière cette grille là. Donc un ascenseur qui montera. Tout simplement. Alors pour ce faire, il vous faudra d'abord activer les deux générateurs de courant que j'ai déjà fait la vidéo sur ma chaîne YouTube. Je la mettrai en description si jamais vous ne savez pas comment faire. Alors c'est tout simple. Quand vous avez activé les deux alimentations de la map, ben, vous allez pouvoir emprunter le chariot qui va vous emmener d'un endroit à un autre. Donc vous avez trois endroits pour choisir en fait. Vous avez d'ici, donc en haut, donc ça ici. C'est le vert, donc il y a trois couleurs. Le rouge, c'est la plage. Le bleu, c'est le sous-marin. Et le vert, c'est tout en haut, les bunkers. Voilà, tout simplement. Attendez, je vais tuer Zombie. Voilà. Alors, vous devez emprunter deux fois le chariot pour pouvoir récupérer les trois pièces du pack-a-punch. Donc, vous pouvez le faire en plusieurs fois, mais vous savez le faire en deux fois. Donc là, je vais le faire. Donc, il faut savoir que la première fois que vous allez activez le chariot, vous aurez des bonnes bursts. Donc faites attention à ne pas mourir. Alors les trucs sont très très simples à trouver. Les générateurs, ils sont illuminés en vert. Donc regardez, là il y en a un. Donc je le récupère, j'appuie sur carré, voilà. Donc là j'en ai un sur trois. Donc je vais devoir rechanger la destination. Donc là je vais aller vers le bunker. Je vais aller vers le sous-marin. Voilà. Donc maintenant je vais diriger vers la plage. Donc je crois que le côté gauche c'est la direction, hein. Je pense que c'est le côté gauche qu'on doit regarder. Ouais, donc là je vais aller vers la plage, donc c'est quoi, le strand. Voilà, donc on appuie carré, hop, et là normalement je vais récupérer les deux dernières pièces qui me manquent. Donc soyez attentifs, il y en a une par terre si je me souviens bien. Voilà, elle est là, juste par terre ici. Et la dernière, ben à mon avis, je l'ai loupé. Donc, je vais refaire une fois le trajet pour aller jusqu'au bunker. À mon avis, c'est là que je l'ai loupé. Donc, je le ferai en 3. Il y a moyen de le faire en 2 trajets, mais c'est rien si vous le faites en 3. Donc, je vais aller vers le bunker. Voilà. Pour la troisième et dernière pièce. Hop. On attend que ce soit activé. Voilà, c'est bon. Donc, normalement, elle sera sur ce chemin-là. Je ne me suis pas trompé. Oui, voilà, elle est juste ici. Donc voilà, la troisième et dernière pièce. Donc maintenant, ben en plus, je retourne au bunker, donc c'est parfait. Donc maintenant, j'ai juste à aller placer les trois fusibles. Et vous allez voir que je vais débloquer le pack-a-punch. Donc je sais pas s'il y aura un double pack-a-punch sur celui-là. J'espère, hein, parce que voilà, les armes, elles sont pas très efficaces, hein, à partir d'un moment. Donc là, il faut enfoncer le premier, voilà. Placer le deuxième, placer le troisième, placer le quatrième. Et voilà, le pack-a-punch arrive ici. Et voilà, donc c'est tout pour ce tuto. Donc vous pouvez améliorer, hein. Pareil, c'est 5000, donc je vais améliorer mon M1911, je crois, ouais c'est ça, 1911. Comme ça j'ai des Kendall, une sorte de Kendall comme dans Call of Duty W, c'est un lance-grenade quoi, tout simplement, comme dans Black Ops 3 aussi et dans Black Ops 2. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Allez, ciao, peace!